c'est l'histoire d'une petite mamie et de son abribus. C'est une formule petite mamie ou elle est vraiment petite? Je ne me rends pas compte. Ben voilà. Je ne sais pas trop si elle est petite. Elle n'est pas très grande. Si en tout cas, elle est mignonne. Pour toi, petite, ça veut dire mignonne. Oui, bien sûr. Alors donc, cette petite mamie, elle s'appelle Thérèse. Alors, je vérifie, hein, parce que les Bretons, vous avez des noms compliqués. Hein. Cornanguer. Et elle a 80 ans. C'est une ex-agricultrice. Elle avait, avec son mari Jean-Claude, ils avaient une ferme laitière. Et puis, donc elle habite dans les Côtes d'Armor. Alors, je vais vous dire le nom aussi. Alors là, c'est encore pire. Gerdy Voilanette, c'est ça? Vous connaissez? Oui. C'est vrai? Bah, c'est à côté de chez moi, c'est à 10 minutes de chez moi. Comment on dit? Comment on dit? Gerdy Voilanette. Gerdy. Ouais, non, mais ça se dit comme ça. Ouais. Voilà. C'est à côté de Loire-Gatte. Et alors, dans cette petite grand-mère, donc, elle avait une ferme. Et malheureusement pour elle, premier malheur, son mari décède il y a 9 ans. Donc, elle se retrouve toute seule dans sa ferme. C'est pas très gai. Et puis, 3 ans plus tard, une petite fille se fait renverser par une voiture à l'arrêt du bus de scolaire. À 150 mètres de chez Thérèse. Et là, Thérèse se dit, non, c'est pas possible. Cet arrêt de bus est mal placé. Alors, je vais quand même vous montrer l'arrêt de bus. Le voilà. Voilà l'arrêt de bus. C'est quand même un peu gratiné, quoi. C'est pas très terrible. Eh bien, si vous saviez le mal que Thérèse a eu pour faire déplacer cet arrêt de bus, elle voulait que ce soit en face de chez elle. Parce qu'en face de chez elle, c'est sans danger. Et elle s'est battue, mais elle s'est battue comme une lionne. Elle a eu des tas de difficultés. Personne ne voulait lui donner d'autorisation officielle de déplacer cet abribus. Elle est allée presque jusqu'au Sénat, hein, parce qu'elle est têtue. On dit que les Bretons sont têtus, est-ce que c'est vrai? Les Bretons sont têtus. Ah, voilà. C'est pas une légende. Non. Et donc, cette petite... Elle réussit son coup. Elle arrive à ce qu'on installe l'abribus à côté de chez elle. Et son objectif, c'était quoi? Alors, son objectif... Elle est devenue l'ange gardien des petits-enfants de sa région. Alors comment? Ben, tout simplement, on peut voir peut-être le petit film, s'il te plaît, Frédéric. Donc tous les matins, quoi. Voilà, alors là, ils reviennent de l'école. Mais déjà, le matin, elle les a reçus chez elle. Je vais vous le dire après, tant pis. Voilà ma Thérèse. Ils trottinent, vous allez voir la pauvrette. Elle trottine un peu derrière et ils ne sont pas très charitables, ils ne l'attendent pas. Et les enfants s'installent chez elle et ils prennent leur... Elle fait des crêpes, elle fait goûter. Leur goûter, oui, leur petit-déj. Elle leur fait un super goûter. Oh, royal. Et voilà, et là, ils lui racontent leur journée, et ils leur racontent ce qu'ils ont fait, ils parlent de leur prof, de leur cours. Et après, les voilà, ils font leur devoir et ils surveillent Thérèse. Et c'est incroyable, c'est pour ça qu'elle voulait déplacer l'abribus. Oui. Pour prendre soin d'eux. Ouais. Pour prendre soin d'eux. C'est et génial. Puis alors, elle s'est rendue compte c'est que du coup, c'est génial pour elle, parce qu'elle se lève quand même à 7 heures du matin, ils arrivent à 8, avant 8 heures, hein, les petits. Et elle en a 5. Ça va de la 6e au lycée, jusqu'au lycée. Donc, elle les garde 4 ans. Et tous les jours, donc, ils viennent. Et c'est génial parce que ça lui tient compagnie. Elle se rend compte que tout le bénéfice qu'il y a pour elle, quand même. Et ils sont adorables, ils lui racontent leur vie, ils sont tout mignons eux-mêmes. C'est un échange formidable entre eux. Son fils m'a même dit, elle a tout le temps, elle accueille tout le temps du monde et il faut presque prendre rendez-vous avec elle pour la voir tout seule. Parce qu'elle est infernale, Thérèse, et puis elle attire le monde. Et elle le fait de manière bénévole, en fait. Hein. Elle le fait, oui, bien sûr. Et les parents sont ravis parce que c'est hyper rassurant pour eux. Parce que... Elle n'a pas fait tout ça pour vendre des crêpes. Ah non, elle leur donne des crêpes. Mais bon, là, je découvre que Thérèse n'est pas mauvais esprit, tu as mauvais esprit. Elle est généreuse, ma Thérèse. En Bretagne, on est généreux, n'est-ce pas? Et donc, on donne et tu es généreux. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est rassurant aussi pour les parents, parce qu'ils la connaissent, ils deviennent amis. Et en plus, le soir, bah, s'ils sont en retard, Thérèse, elle ne va pas les mettre dehors, je vous assure. Hein. Elle va les garder chez elle jusqu'à ce que les parents arrivent. Donc, ils ont fait leur devoir, tout est parfait. Bon, réaction, comme ça, un être humain qui finalement décide de créer dans son monde à elle, va se battre pour faire venir un abribus, on dirait un film de Ken Loach. Ouais, oui. C'est tout à fait ça. Non, mais c'est vrai. Oh, bah, moi, je trouve que si tout le monde faisait ça, c'est extraordinaire, le monde. Elle est inspirante, Thérèse. Mmh. Ah oui. Elle est formidable. Puis elle reste jeune, comme ça. Mmh. Parce qu'elle fréquente des jeunes, moi, je vois ce que c'est. Tout le monde est gagnant, Béatrice. J'ai un Martin à côté. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que c'est pas aussi le fait de ne pas se retrouver toute seule? Bien sûr, hein, aussi. Bien sûr. Là, elle est heureuse. Bon, mais ça rend service à tout le monde. Elle transmet son amour à tout le monde. Exactement. Il la considère comme leur mamie. Ouais. Et il la surnomme Néné. Parce que c'est le surnom que ses petits-enfants lui donnent. Tout le monde l'appelle Néné. C'est leur petite grand-mère supplémentaire.